canet, les tiens comme elle l'hiver. Et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici, c'est pour, après tout est à toi. Entre ma vie à la bourre et le sport. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Plus qu'à Blanche-Gibraltar, nous sommes des milliers. À vouloir comme vous, venez sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler. Mais nous on vous a pas refusé le visa. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Nous aussi on veut connaître la chance d'étudier, la chance de voir nos rêves se réaliser. Avoir un bon métier, pouvoir voyager. Comment est-ce que vous appelez liberté? Loin de nous l'idée d'inciter les jeunes Africains à partir du continent africain. Parce que nous pensons que personne ne viendra développer le continent africain à notre place. Mais nous disons aussi qu'on ne peut pas comprendre qu'on donne l'autorisation à la jeunesse du monde entier d'aller où elle veut, quand elle veut, et qu'on refuse à la jeunesse africaine d'aller où elle veut, quand elle veut. Surtout, nous avons remarqué que nos matières premières, depuis la nuit des temps, n'ont jamais eu besoin de visa. Alors nous pensons qu'il va être difficile à un continent de se développer si les matières premières qui doivent lui permettre de se développer sont prises en otage par les entreprises occidentales. C'est pourquoi nous disons que la seule solution qui peut être trouvée à l'immigration va être trouvée le jour où l'Occident et l'Afrique vont s'asseoir autour de la même table pour discuter et trouver une solution. Vous avez pris nos plages et leur sable doré.
mille animaux en cage. Et battu nos forêts. Qu'est-ce qu'il nous reste? Quand on a la même vide, on se prépare au voyage. Et on se jette dans le vide. Où est le temps? Où est le temps?